Comment number one, toujours la théologie number one. Comment number one, c'est vraiment number one. Comment number one, c'est un, c'est pas deux, c'est un. Comment number one, never say never because you don't know and you don't have no idea. Félicitations Beleka na Congo number one. Tant que number one tout est beauté, number tout est number one. C'est ça, précisément. Nous allons rabouiller quoi? Nous allons vraiment bouiller. Presse en boca. Il va na Congo number one, mais internet beaucoup te beaucoup bête Congo number one. T'es na tuni, t'es number one. Tout le monde, number one na tuni. Ils allons Congo number one, Balobi, combo la prophétie. Vous allez être number one dans la vie. C'est ce que moi je dis que j'ai dit. Alors s'il vous plaît, ne reprenez pas mes paroles en disant Kambila a dit ceci. Mais je viens de le dire. Donc les gens ont entendu. Monsieur Mounil, je n'ai pas dit que le chef d'État n'était pas informé. Je n'ai pas dit que le chef d'État manquait d'informations. Ce que vous avez dit là est faux. Et vous l'avez dit. Parce que je vous ai écouté très calmement, vous l'avez dit, et ceci est faux. Alors, je vous demanderai, s'il vous plaît, de le corriger quand vous serez là-bas. Si vous n'avez pas compris ce que je vous dis, je vais le répéter. Un chef de l'État, ce n'est pas Jean-Pierre Kambila. Ce n'est pas Modini là. Ce qu'il dit, ce qu'il dit a un autre poids. Et il ne peut le dire que quand il considère que lui-même a non seulement les informations, mais les preuves et qu'il n'y a rien qui viendrait le contredire demain. C'est à ce moment-là qu'un chef d'État responsable parle. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et le chef d'État l'a expliqué lui-même dans son discours. Je ne veux pas le répéter ici. Les gens qui veulent entendre ce discours, ils peuvent le réécouter. Et c'est ce que j'ai dit. Les téléspectateurs qui nous écoutent, ils ont écouté ce que tu as dit avant. C'est quoi ce que je venais de dire? Voilà pourquoi je dis. Il ne faut pas que la haine ou la contradiction écrase l'intelligence. Vous avez déjà intelligence sur lequel je ne discute pas. Mais ne mettez pas dans ma bouche ce que je n'ai pas dit. Surtout pas en l'espace de même pas deux minutes. C'est pas bien, on ne prend pas au sérieux par les gens qui nous écoutent. Ceci dit. Pourquoi ne pas tirer alors les conséquences de la désignation du Rwanda comme l'agresseur de la RDC et la guerre de sincérité vous voyez, désignation. Regardez, oui. Le petit enfant, il a son appréciation du temps. Le jeune homme de 15 ans, il a aussi son appréciation du temps. Moi, du haut de mes 60 ans, j'ai aussi mon appréciation du temps. Le chef d'État, il a son appréciation du temps. C'est pour vous, 2 mois, 3 mois, c'est tellement grand. Dès le moment que le monsieur a dit on nous attaque, que c'est dans la seconde qui suit qui doit opérer la guerre, c'est votre appréciation du temps. Parce que vous avez l'impression qu'il s'est passé un temps énorme. Est-ce que quelqu'un est responsable d'un État à ce niveau-là? Il y a des mots qu'on ne dit pas, qu'on pèse avant de les articuler. Il y a des déclarations que l'on fait après avoir étudié toutes les situations. En disant ceci, Maître Kenda le dit parce qu'il serait moins intelligent. Non, Maître Kenda fait exprès, c'est très intelligent le jeu qu'il joue. Il joue le jeu de pousser à la faute. Est-ce que Maître Kenda joue ce qu'il est? Il ignore les conséquences d'une déclaration unilatérale de la guerre. Le rôle de qui est sur notre terrain, au moment où nous parlons ici, je ne, c'est la pure vérité. Le Rwanda est sur notre terrain. Est-ce que le Rwanda a déclaré la guerre au Congo? Est-ce qu'on est à quel juriste qu'il est? Est-ce qu'il ignore les conséquences d'un président de la République qui vient et qui déclare la guerre? Quand il dit ceci, a-t-il étudié les conséquences? Certainement qu'il les a étudiées, mais seulement il privilégie son aspect politicien. Il laisse toute son intelligence, toute sa culture, toute son instruction juridique de côté. Il privilégie quand sa démarche politicienne. Ce qui est important pour lui aujourd'hui, c'est d'arriver au pouvoir. Même si le Congo est ponctionné d'une partie importante, peu importe pour eux. Ce qui importe pour eux aujourd'hui, c'est d'arriver au pouvoir. Et ça, si je le dis fort... Et cette appréciation du temps, la question, est-ce qu'il y a... quel est le degré de sincérité de cette appréciation du temps?
l'appréciation de grand, oui. Ce que je veux dire. Le fait de sincérité, oui. Je ne pose même pas, je rentre même pas dans ce débat-là. D'accord. Oui. Je rentre pas. Mais Jules Kabila est le président de la République de ce pays. Il a été élu. Il dispose d'une majorité. C'est l'homme le plus informé du Congo. Pas parce qu'il est plus intelligent que les autres, non. Parce qu'il est président de la République. Il a tous les services à sa disposition, sans compter les services étrangers qui le renseignent. C'est la situation de tout. C'est quelqu'un de merci très beaucoup, bien renseigné. S'il prend une décision, on peut... Le président de la République, c'est un homme intelligent. La légalité, ce président est à même de, d'appeler la population et la population va se mettre ou pas pour défendre notre territoire. Il y a ces problèmes-là, nous devons vider ces problèmes. C'est pour ça que vous avez parlé de Kampala, on aura le temps d'en parler. Donc on ne peut pas aujourd'hui, Kabila ne peut pas aujourd'hui nous demander la cohésion parce qu'il est mal placé et ce n'est pas lui qui doit le faire parce que les gens, il y a un élément confiance. Parce que même à la bourse, l'élément confiance, il y a une économiste qui est là, qui me regarde. Mais qui me surveille comme si on surveillait du lait ou de l'huile sur le feu, du fait, il me regarde. Mais je dis c'est très important. Donc l'élément de confiance, même en économie, l'élément de confiance, et ça peut jouer même sur la monnaie et en politique, c'est beaucoup plus. Donc lorsqu'on n'a pas confiance à celui qui gouverne, et tout ce qu'il est en train, et surtout ceux qui sont en face de nous, le soi-disant, ceux qui nous agressent. Mais ils n'ont aucune considération pour le président Kabila. Ça, je l'ai dit, il y a ce que vous appelez la photo de presse. Vous avez vu cette photo de presse. Il y a une photo qui parle. Vous avez vu comment on l'a mis de côté. On l'a sermonné, le président Kabila, tous ces temps-là. Il n'avait pas le maximum d'informations. Lui qui a beaucoup de canaux. Hein, il a beaucoup de canaux et il a beaucoup de possibilités d'être informé avec les services intérieurs et extérieurs. Il n'avait pas, jusque-là, on ne lui avait pas amené ça et il n'a pas fait un effort pour avoir ces informations-là. Alors que le pays est en train de prendre le feu, les territoires de notre pays. Et lui qui se dit qu'il est chef de l'État, il n'avait pas les maximums d'informations, c'est que ce pays n'est pas gouverné. Merci, et j'insiste que le pays n'est pas gouverné et le président Kabila n'est pas bien entouré. Merci beaucoup, monsieur Pascal Oroukingwa. Quel est le degré de sincérité de la désignation du Rwanda comme agresseur de la RDC, pourquoi prendre du temps? Monsieur Jean-Pierre Kabila a insisté sur l'appréciation du temps, à chacun son appréciation du temps. Finalement, la sincérité, degré de sincérité dans ce que monsieur Moïse Mounidela considère comme de l'hésitation, de l'indécision et de la distraction pure et simple. Et même la je me rends compte que Pascal, le ministre Moïse Mounidela doit venir d'un long voyage. Parce que je ne sais pas, peut-être qu'il était en Europe ou ailleurs, mais il a perdu les éléments de terrain. Visiblement, il n'a plus de repères. Il va jusqu'à ignorer celui qui a été élu aux dernières élections, ça fait une année. Il va jusqu'à... Il est dans les anciens dossiers. Les anciens dossiers. Et alors, il faut que Zachary le briefe rapidement. Hein, monsieur le ministre, je crois qu'on vous briefe là, rapidement. Le dossier des élections est classé depuis toujours, depuis longtemps, on n'en parle plus. Le vainqueur est connu, il est aux affaires. Vous dites, j'ai l'impression que vous auriez aimé un président qui décide au coup par coup, n'est-ce pas? Mais là, c'est permis à quelqu'un qui fait de l'analyse, qui fait de la critique. Quand vous critiquez, vous pouvez dire à peu près tout ce que vous voulez. Mais lorsque vous gouvernez, vous ne pouvez poser que des actions prudentes et responsables. Parce que c'est ça que M. Moïse considère comme de l'hésitation. Ah oui, justement, c'est parce que j'ai dit qu'il a voyagé un peu, il a oublié tout ce qu'il faisait au gouvernement. Parce que là, c'est chaque action réfléchie, motivée et réflexion sur les conséquences. Dans une guerre, il s'agit du sang humain qui coule. Il s'agit de nos militaires qui meurent, n'est-ce pas?
il s'agit de territoires qui se prennent, il s'agit de réfugiés, il s'agit de déplacés de guerre. Là, on ne prend pas des décisions parce qu'on veut les prendre. On prend les décisions qu'impose le terrain. Donc, et je crois qu'on l'a dit ici, mieux que moi, la guerre, ce n'est pas seulement se mettre sur le terrain et commencer à tirer. On vient de dire, deux personnes viennent de dire ici qu'ils combattent en parlant. Combat médiatique. Une guerre de communication. Bref, je ne suis pas d'accord avec lui que la tactique, que la stratégie, que la prudence soit de l'indécision. Non, 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 c'est pas possible. La tactique ici est même la guerre moderne. Je me souviens d'un certain Haïlé Selassie, je ne sais pas si quelqu'un se souvient encore d'un Haïlé Selassie, qui était un homme doux, vous vous en souvenez? C'était un homme doux, mais celui qui a mis fin aux séries de coups d'État à répétition dans son pays. Mais c'était un homme doux, qui semblait ne pas décider, qui semblait, comme on dit ici, mais qui a mis en place un système qui s'est stabilisé. Donc aujourd'hui, nous sommes en face d'une situation qui exige beaucoup de réflexion, beaucoup de tactiques militaires, politiques, diplomatiques. Non, n'allez pas demander de la précipitation. Ça va mener le pays dans le vide. Deuxième chose que vous avez. Nous disons que le pays soit occupé entièrement pourvu qu'on nous mette au pouvoir. Quelle soif de pouvoir! Pourquoi tenez-vous absolument à y être à quelques conditions que ce soit? Nous avons été aux élections, vous avez perdu. En plus, vous ne voulez même pas être de bons perdants, ça veut dire accepter que nous avons perdu. Nous arrivons à un moment où le pays est occupé. Occupé. Vous ne pensez qu'à être rétabli au pouvoir. Les intérêts de la nation avant les intérêts individuels. Mes chers frères, commençons par les intérêts de la nation. La nation est en guerre, le pays est en guerre. Maintenant vous dites, et c'est la question de finances, de dire, et finalement d'avoir cité le Rwanda, qu'est-ce que ça change? Mais je suis étonné de cette question. Nous avons eu des émissions entières ici où on disait que ne pas citer le Rwanda était en fait un crime de guerre. Aujourd'hui qu'on a cité les Rwandais, c'est à nous que vous posez. Mais c'est à eux qu'il faut poser la question. Parce qu'ils y tenaient mordicus. Citer les Rwandais montre que nous sommes certains que le Rwanda nous intéresse. Et nous étions certains depuis longtemps. Mais la politique réelle existe qu'un chef d'État ne soit pas un amuseur public. Il ne dit pas les choses parce que les gens veulent qu'il les dise, comme on l'a dit, il le dit parce que les circonstances l'exigent. Mais c'est le moment qu'il devait le dire. Merci. Non, 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 je n'ai pas fini. Juste une minute, oui. Allez-y. Oui. Pour dire minutes, ceci, oui. Je vois que les docteurs me regardent avec oui. Pour dire ceci, il l'a dit, moi je pensais qu'aujourd'hui nos amis allaient dire bravo, enfin, il l'a dit. Parce que nous, on demandait pas qu'ils disent, nous, on savait que le Rwanda était impliqué. Et on faisait nos politiques en sachant que le Rwanda était impliqué. Mais nous savions que la politique, la guerre, aujourd'hui, ce n'est pas toujours ce que les gens veulent. Ça viendra. Le moment de cogner viendra. Laissez les temps. Merci. Hein? Docteur, le moment de cogner viendra et nous sommes dans ce processus-là. Et pourquoi chercher aujourd'hui de tirer les conséquences de la désignation du Rwanda? De temps en temps, ici, vous aviez insisté qu'il faut désigner, il faut citer le Rwanda le même mot, ma soeur, la RDC. Tirer déjà les conséquences de cette désignation aujourd'hui, ce n'est pas de la précipitation. À qui va profiter cette précipitation? C'est exaspérant. C'est affligeant. J'ai en face de moi trois grands intellectuels avec qui j'ai eu à débattre plusieurs fois. Et parfois je me demande si est-ce que nous avons les pieds sur terre avec eux. Vous n'avez pas répondu à la question de savoir quel est le degré de sincérité si aujourd'hui le président Kabila parle du Rwanda. Personne n'a répondu. Moi je ne crois pas en lui. Vous changez tout le temps. Vous,
Je vous donne des exemples. Mais docteur, vous êtes quand même satisfait que le Rwanda soit cité? Je ne suis pas satisfait parce que j'en méfie d'eux. Je crois qu'ils sont en intelligence avec nous. Et je continue. Vous nous avez dit, le M23, ce sont des assassins, c'est vous. Vous les avez traités de grands bandits, de grands chefs. On ne négocie pas avec ces sous-fifres. Aujourd'hui, vous avez qu'à faire des négociations, c'est tout vous. Vous êtes des grands intellectuels, si je mens, dites-le. Franklin disait même en insistant, on les a déclarés force négative à Kampala, ça valait la peine, la diplomatie marche. Donc aujourd'hui, Jean-Pierre, vous discutez avec les forces négatives, vous discutez avec les sous-fifres, vous laissez le Rwanda et vous laissez la communauté internationale qui est en train de tirer celle. Est-ce que vous n'êtes pas en train de jouer le jeu de Kagame qui a dit que le problème qui se pose avec les M23, c'est un problème congolais? Comment voulez-vous que je puisse croire la rue? Aujourd'hui, ici, le Rwanda, demain, qui dit qu'ils ne vont pas changer. Je vous dis, eux ici avaient peur de citer le Rwanda. Pendant qu'eux ont cité le Rwanda, pendant qu'eux ont commencé à citer ici le pasteur, pendant qu'eux ont commencé à critiquer Kagame ici, le chef de l'État ne parlait pas du Rwanda. Je viens de citer les grands forums internationaux auxquels il a participé, il n'a jamais cité le Rwanda. Je vous dis, si je mens, on me contredise. Mais il vient citer le Rwanda en ce moment, tout en connaissant leur ambivalence, tout en connaissant leur ambiguïté. Et tout en connaissant le fait justement de pouvoir avoir des attitudes tout à fait difficilement explicables, comment voulez-vous que moi j'ai confiance en eux aujourd'hui? Et qu'il est la conséquence de cette désignation, comment vous interprétez cela? La plupart de la population, allez à la cité. Les gens vont vous dire, ah, enfin la cité, le Rwanda. Mais pourquoi il a traîné? Les gens n'y croient pas. C'est ça la réalité. Ça, c'est un premier élément, je souligne. Parce que j'ai en face de moi des gens que j'ai. Et sur le plan intellectuel, ont un niveau. Je ne veux pas que nous ayons des gens ici qui viennent dire ce qu'on leur a demandé de dire en mettant à côté, en tout cas, l'objectivité et l'intellectualité que je leur reconnais. C'est avec eux qu'on discute. C'est eux qui nous disaient que ce sont des forces négatives, on n'ira pas discuter avec eux. Aujourd'hui, ils sont à la table des négociations. Qui demain vous dit que ce qu'ils ont dit aujourd'hui ne vont pas changer? Ils changent tout le temps. Moi, je n'ai pas confiance en eux. Ça, c'est un. Deux, la cohésion nationale. La cohésion nationale. Nous vous avions dit dès le début, un Congo divisé, c'est un Congo faible. Et puis, je vais dire à Pascal, n'insistez pas sur la légitimité. N'oubliez tout de même pas que vous avez prêté le serment avec des chars dans tous les ronds-points pour nous tirer dessus. N'oubliez tout de même pas que vous avez tué les gens que vous appelez là pour venir s'enrôler. C'est ceux que vous avez tués sur le boulevard quand ils venaient pour demander la transparence des élections. N'oubliez pas que certains des nôtres sont en prison. Je ne vais pas continuer à citer les noms. N'oubliez pas que Chebeya est mort. N'oubliez pas qu'Amatungulu est mort. Il y a des plaies entre nous. Si vous dites qu'il y a la cohésion, mettons-nous autour d'une table. Il y a des sérieux problèmes. Des litiges électoraux. Vous vous dites que c'est fini. Mais ce n'est pas fini, monsieur. La preuve est que vous dites, venez, enrôlez-vous. Quelques-uns viennent. Mais ça aurait pu être un engouement général. Pourquoi il n'est pas général? Il y a un problème de légitimité. Vous ne pouvez pas l'écarter du revers de la main. Ici, entre intellectuels, discutons franchement. Discutons objectivement, parce que nous avons l'habitude de nous rencontrer souvent. Cessez de vous contredire, ça fait mal. Ça fait mal et ça perd un peu. Si aujourd'hui on parle de l'armée, il nous faut une armée forte. Nous avons été à Saint-City. À Saint-City, on a dit qu'il fallait une armée forte, effectivement. Mais ensemble, nous devons voir pourquoi cette armée n'est pas forte. Ici, nous analysons, nous allons nous rendre compte là-dedans des infiltrations. Nous nous rendons compte là-dedans des généraux affairistes. Nous nous rendons compte là-dedans des munitions qui ne correspondent pas aux armes. Nous nous rendons compte même qu'on leur demande de fuir, de laisser armes et munitions pour servir l'ennemi. Nous sommes infiltrés par ces gens-là. Je crois qu'il faut être courageux. Non, je vais terminer en disant ceci. Nous faisons des débats souvent avec vous. Vous êtes des intellectuels. Avérez, ça arrive à un niveau important. Mais quand vous vous contredisez comme ça, ça fait mal. Et c'est vraiment un discrédit pour l'intelligence qu'on doit connaître. Merci, merci beaucoup, Dr. Kabamba. Monsieur Franklin Tshamala, ce n'est que de la distraction, de l'indécision, de l'hésitation. Et finalement, quel
degré de sincérité dans tout cela. Et aussi, il y a un manque de confiance parce que il y a des discours, il y a des antécédents où on a fait des promesses mais non réalisées, qui fait qu'aujourd'hui, qu'on ait cité le Rwanda, finalement, d'aucuns pensent que ça ne change absolument rien. Et ça ne va rien changer. Parce qu'il y a beaucoup d'antécédents. Merci mon frère, que le Seigneur vous donne sa paix, mes frères, et qu'il vous donne toute la paix. Soyez en paix avec vous-même, d'abord et avec nous. Nous sommes dans la dynamique. Ah voilà, c'est important quand même. Je vous trouve aujourd'hui très agité comme je n'ai jamais vu. Mon frère, la politique n'est pas à confondre avec l'art martial au tché-to-tché. Non, non, non. La politique, c'est pas au tché-to-tché. Au pays qui appelle la zone ici. Non, non, non. C'est ici. Surtout pour les premiers responsables d'un pays. Il prend son temps. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'impose à lui, comme à beaucoup d'autres responsables, l'obligation de réserve. Et qu'un chef de l'État soit sorti de sa réserve. Il a dit ce qu'il y a amené. Il en sort après 4 sommets de la CIRGL, 6 par 5, après une rencontre au plus haut niveau avec le secrétaire général des Nations Unies, après une rencontre tripartite qui a réuni Rwanda, États-Unis et le Congo, beaucoup ne savaient pas ici. Après 2 grandes résolutions prises au Conseil de sécurité, je dis que après ce processus-là, et ne vous en faites, au début de ce mois, il y a eu une rencontre houleuse à la représentation diplomatique française au Conseil de sécurité, qui a réuni les Français, les diplomates britanniques et américains. Et là, les gens en sont venus même à échanger les insultes autour de la question du Congo. Parce que les Français tenaient absolument à ce que les représentants des États-Unis au Conseil de sécurité condamnent, adhèrent à la condamnation du Rwanda. Ils, les diplomates au niveau, à ce niveau-là, au début de ce mois. Et donc le chef de l'État, au bout d'un processus comme ça, long, en sortant de sa réserve, il l'a dit lui-même. Et il conclut, il dit que ceux qui ont l'habitude de venir au Congo et de sortir comme faisant une promenade, sachent que la prochaine rentrée au Congo sera suicidaire pour eux. Monsieur Moïse. Et c'est ainsi que on rappelle ici que le temps de la récréation, ce n'était pas un temps habituel. Oui. Jean-Pierre Kabila, pourquoi ne pas tirer les conséquences de la désignation du Rwanda comme l'agresseur de la République du Congo? On désigne les Rwandais et on s'arrête là. Pourquoi? A-t-on, les chefs de l'État a-t-il cédé à la pression de l'opinion publique ou, comme la question de Dr Kabamba, ou le degré de sincérité dans cette désignation-là? Premièrement, je tiens absolument à corriger quelque chose qui a été dit ici. Allez-y, monsieur. Parce que nous sommes devant une chaîne de télévision qui est regardée, d'après mes informations, par lui. Je ne vais pas le citer. Vous voulez que je le cite? Ce n'est pas l'objet de l'émission. Non, non, je cite, c'est mon vieux, mon gars. C'est pas l'objet de l'émission. Il était en eux. Tout vêtu en blanc. Je le cite parce que vous m'y poussez. Non, pas du tout. Il ne fallait pas m'y pousser. C'est pas l'objet de l'émission. Vous pensez que ces gens-là, ils n'ont rien à faire, ils sont allés simplement? Non. Il n'est même pas sur le plateau. Mon frère, la légitimité parcellaire, abandonnez ça. Je vous conseille. Cette culture-là, c'est une culture assassine. Une culture suicidaire. Sortez de ça. Parce que même dans vos maisons même, il y a des gens qui croient en Kabila. Il y a des gens qui ont voté pour lui. Ces gens-là ne sont plus vos enfants, et ne sont plus vos épouses, vos sœurs, parce qu'ils ont voté pour Kabila. Mais la démocratie veut quand même que chacun ait son point de vue. Mais lorsque le chef de l'État a été proclamé par l'institution chargée de l'élection, confirmé par la Cour suprême, il a les deux. Que vous ayez voté pour lui ou pas, mais docteur, quand vous êtes changeant, docteur, je vous convie à changer aujourd'hui positivement. La légitimité n'est pas parcellaire. Je parle sur le contrôle du juriste qui est là et qui me regarde. Il me regarde de la même manière que Moïse me regarde. Elle n'est pas parcellaire. Alors, vous dites, sachant que vous connaissez le monde. Ce dégel que vous observez dans l'opinion, ça ne vous dit rien? Non, 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 non. Soyons responsables. Soyons responsables. Soyons responsables. C'est important. Dans tous les cas. Et vous terminerez dans par là. Cas, dans tous les cas, je vous convie de réauditionner les discours du chef de l'État.
auditionnez-les. Prenez la hauteur quand même. Sortez des émotions. Les politiques ne sont pas émotifs. Vous auriez voulu que le chef de l'État cite votre nom dans le discours. Mais à son niveau, il ne peut pas citer le nom des gens. Le Mabanga, là, c'est pour, hein. C'est non, c'est un... Non. Je vous en prie, prenez le temps de réauditionner ce discours. Répondez à l'appel pour la cohésion nationale. Ça ne vous coûte rien. Répondez l'arme la plus redoutable qui va nous permettre de mettre fin à cette humiliation continuelle des voisins dont je ne citerai plus le nom. Sauf si vous m'y poussez. Eh bien là, c'est la cohésion nationale. Merci beaucoup, monsieur. Et sachez bien que le chef de l'État est allé dans le sens de l'appel à la nation. Un autre appel dont je me souviens. Le peuple congolais voulait que l'on mette fin à cette mutation continuelle des milices rwandaises, ougandaises, en citoyens congolais. Et le chef de l'État a annoncé, il dit, ça a été une stratégie des gens, des milieux souvent des rébellions, des milieux souvent comme ça, des mutineries en rébellion, qui finissent par des accords, qui versent les gens. Maintenant là, il dit, il ne sera plus question de ce cycle-là. Merci beaucoup, Moïse. Merci. Notez bien, ce discours-là, ça a été un discours très salvateur pour le pays. Un discours avec âme. Merci. Sortons des discours sans âme. Sortons des âmes sans discours. Renaissons de nouveau. C'est cela. Merci beaucoup. Rendons-nous à Kampala pour voir un peu pourquoi ça bloque, ça continue de bloquer et comment décanter et trouver des solutions à ces problèmes. Parce que les gouvernements discutent directement avec le M23. Monsieur Maître Zachary Kendabingu, à quoi peut encore servir la négociation directe? Casarema.fr présente le groupe musical chrétien Royaume Éternel dans Adorons le Grand Roi. Un support DVD avec une plaide de chansons mythiques telles Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez-vous, peuple de Dieu. Disponible chez tous les bons disquaires de la place. DVD Oyobozela qui Pona, ba papa, ba maman, bana, mpeli, bota, mobima, yangoyo, ngonge, beti. Adorons l'Éternel, adorons le grand roi. Avec Casarema, à consommer sans modération. Adorons le grand roi sur support DVD, s'il vous plaît. Avec une plaide des chansons mythiques telles que Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez-vous, peuple de Dieu. Bénis les mariages. Ba papa pe ba mama, pona bana, peli bota mobimba, pena ba fête nyonso bolingaka. Album ya kitoko, yangoyo, ba image pour tous. Élevez-vous, peuple de Dieu. Adorons les grands rois. En support DVD, achetez l'original. Sa bonté, sa fidélité, nous garderons pour toujours. Inclinons nos âmes comme des genoux devant sa présence, nous trouverons une faveur. Sa bonté, sa fidélité. Adorons les grands rois. En support DVD, achetez l'original. Ça la kimia parce que lobby est ça yo. T'as là le frère Marius Numbuma zongi les soussoyer pas un peu. Bien aimé Bondi ma boy amba album Oyo. Tu es capable. Nangolo Nzambe album Oyo. Bordel causé la mingi à Paris, à Belgique, en Hollande, en Angleterre, partout en Europe. Voici l'album Tu es capable. Batumi balé bazobé la maladie moko, basa na hôpital moko, médecin moko zo traité bango nyonso mi balé, mais moko akufi moko abiki, esa kango. Ndenge na lobby boye baki na lobby ya moto moto a ébité to yebani mité matimbala oyo bana na Nzambe nyonso ya mokili mo bana ébiki bozolo ndanga na www.kazarema.fr. Bala oto lobby Nzamba za roulage. Promotion.
Promotion à Paris chez Capem. Promotion pour les fêtes. Capem, Mukondiab Agence. Capem, Agence Yabananzam. Promotion chez Capem, Kozanga Tendeko. Yakambang na Capem, Otinda Biloko na yo. Du nouveau chez Capem Multimo à Paris. Promotion, promotion. Vous avez des marchandises que vous souhaitez envoyer à Kinshasa, en RDC Congo et partout en République démocratique du Congo. Venez chez Capem Multimo à Paris. Promotion, promotion, promotion. Donc on y est à 9h pour 10h pile. 10h pile, 10h 2 minutes, ma bienvenue dans la Kingo, c'est bon. Ah ouais, tout travers ma manière. Ne manquez pas, ne tardez pas, venez chez Capem, envoyez vos produits. Promotion pour les fêtes. Contact 01 46 06 69 26 ou 06 16 35 41 91 mail capemparis-6multimo@hotmail.fr. Entre le M23 et le gouvernement de la République démocratique du Congo avec autant de blocages, ça peut servir encore à quoi tout ça? Oui, mais quand il parle des provisions là, c'est l'un des points que le M23 exige. Mais avant de répondre à la question, je vais revenir sur des choses aussi très importantes. Je crois avec toute humilité, je fais les débats professionnels. Oui. C'est inhérent à ma profession. Toute ma vie, je ne fais que des débats. Merci. Toute ma vie. On ne connaît pas un seul débat, on ne peut pas reprendre la parole d'un contradicteur. On doit reprendre les paroles d'un contradicteur. Donc il ne faudrait pas que le conseil capitulaire refuse aux gens de reprendre à refaire ses paroles. De reprendre sa parole, il n'a pas dit, on ne dialogue pas. Donc, il dit, Maître Kende connaît, il pousse l'autre à la faute, il fout ceci. C'est de la précipitation. C'est de la précipitation, c'est déclarer unilatéralement la guerre. Mes frères, vous l'avez dit, qu'il n'y a pas un Congo pour l'opposition, qu'il n'y a pas un Congo pour la majorité. Est-ce que vous ne servez pas d'un lit où le président Kabila dort tranquillement, avec tous ses propos, avec tous ses argumentaires que vous avancez là? Est-ce que ça ne peut pas nous faire injurier par les gens sérieux qui nous écoutent et qui nous entendent de tout ce que vous dites là? Vous dites que Kabila ne peut pas déclarer la guerre. Alors il y a une assemblée. Qui a dit qu'il ne peut pas déclarer la guerre? Vous ne l'avez pas suivi? Vous étiez en voyage? Est-ce que vous adorez voir les autres en voyage? Vous n'avez pas suivi autour de cette table qu'il ne peut pas déclarer unilatéralement la guerre. Il ne peut pas déclarer à deux. Il a l'Assemblée générale, il a l'Assemblée nationale. Mes frères, rappelez-vous, je crois, au mois d'avril, Un avion turc a été abattu par les pays frontaliers. La Turquie a mobilisé toutes ses armes, tous ses chars étaient sortis, au point même on a ébranlé l'OTAN. Il a déclaré hein? La guerre. Oui, au même où... Il a déclaré la guerre. Laissez-moi parler. Ça c'est l'avion seulement qui a été abattu. Ah, et l'OTAN même était mis en action. Mais ici, vous me posez la question, on savait mal, et il y a 6 millions de morts. C'est à comparer avec un avion. Et que ces gens-là, s'ils avaient abattu un deuxième avion, vous pensez que la guerre était... Il y avait des... Et vous pensez que c'était une guerre pour un avion et 6 millions de personnes tuées. Pour une guerre de 11 ans, pourquoi vous ne parlez pas de la durée de la guerre? Pourquoi vous ne réduisez le problème? Pourquoi? Vous parlez avec autant de légèreté, et je vous ai des mauvais perdants. Mais si nous sommes des mauvais perdants, la CNI aussi est mauvaise perdante? Non, la CNI, je suis dans la paix. Dieu l'a déjà conféré. Je suis dans la paix. La CNI que vous avez défaite aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit que ça sera le président de la société civile, majorité, ceci là. Elle était aussi mauvaise perdante? Qui a défait la CNI? La CNI. Dont on a structuré de fond en comble. Dont les membres qui sont là, nous sommes dans le sujet. Dont les membres qui sont là, nous n'avons aucune honneur. Nous n'avons aucune dignité aujourd'hui sur le plan national. Mais quoi que tout ce qui passe sans que le moulin de regarde, il peut se pendre s'il a le vin, il peut donner sur le rester. Donc mon frère, qu'on ne peut pas dire qu'on ne peut pas décréter la guerre, on est en train de regarder, ça serait une précipitation. Non! Non! Mais c'est ce qu'il a dit. Il est naturellement. Non! S'il n'y a pas la guerre, vous m'avez dit aujourd'hui, s'il n'y a pas la guerre, il va avoir des représailles. Il peut avoir l'appel d'un diplomate, de vos ambassadeurs. Il peut avoir fermeture des frontières. Il peut avoir ne plus que des menaces verbales. Ne plus que ça. Est-ce qu'on a entendu ça dans les discours du président Kabila? Oh. Vous défendez parce que vous êtes venu pour que la prochaine aventure sera suicidée. Ce n'est pas une menace. Il dit quoi? Hein? Ça, il veut
dit quoi? Quand il vous dit que ça sera suicidé, et quand il attend 11 ans pour prononcer Rwanda, et vous pensez qu'on doit les croire comme ça? Ça sera suicidé. Les forces de prison qui sont les nôtres d'abord, qui ne dépendent même pas de la force de l'ennemi, c'est ouvert? C'est ouvert? Les antivalets, vous avez le social que vous avez promis, on en a? Il est revenu encore longuement pour dire qu'il faut que les ministres aient la créativité. C'était une parenthèse que vous avez ouverte. Oui, oui. Maintenant, ils disent il y a une chose entre les Français et les Américains. Ah, vous attendiez que les Français haussent les taux. Et vous, au pays, vous refusez de décréter la guerre. Voilà. Donc vous avez parlé puisque les Français sont allés hausser le ton en Amérique. Kampala, maître Zakari, en tripartite avec les Rwandais et les Américains. Donc, retenez que quand une mouche d'un pays est touchée, le pays doit réagir. Vous avez suivi Obama et l'autre Rouenet qui ont été immédiatement allés à la campagne pour que les pays étaient inondés. On vient d'abattre les jeunes gens, on les présente. Ces gens-là, mais nous, comme nous n'avons pas encore l'habitude de respecter le peuple, nous pensons que tous ces discours qu'ils font doivent passer dans l'opinion. Mais vous revenez à la base. Vous aussi, chercher de l'autre côté, non? Pourquoi vous nous arrêtez les oreilles quand parle la campagne? Vous parlez quand la campagne, il y aura quoi? Il y aura quoi, campagne? Non, il faut m'appeler pour un autre thème à l'échelle. Il faut m'appeler peut-être pour le fédéralisme, la décentralisation. Est-ce qu'il y a la guerre en République? Vous avez vu la guerre? Vous avez même vu? Vous avez même compté les ministres que le président Kabila a cité le Rwanda? Il dit au Rwanda, il passe. Un peu de fidèle. Ce soir, il m'écoute, moi, il ne vous écoute pas. Président de la République, si vous êtes intérieur, vous m'écoutez. J'ai dit, vous n'avez pas d'excuses. Vous devez décréter la guerre. Si vous n'avez pas la guerre entre vous, vous devez ne plus que détacher les mécanismes de la guerre. Mais vous êtes les mécanismes de la guerre. Et vous êtes conscient de ce que je dis. Donc, vous les accords de campagne. Oui. Les négociations. Les négociations de campagne. Je suis étonné que les gens disent, oh, le M23 dit vague, n'a pas un agenda. Monsieur, j'ai dit non, nous devons négocier les accords du 23 mars. Lorsque j'apprends à votre faiblesse, j'arrive à Goma. Je dois ajouter un point. Lorsque j'arrive demain à prendre la province orientale, lorsque j'arrive à prendre cette province, je demande de faire quoi? Donc c'est chaque fois que je montre que je suis pour, et j'ajoute un point à mon agenda. Mais c'est surprenant que la majorité présidentielle ne comprenne pas des petites choses comme ça pour dire qu'ils sont des oisifs, ils ne disent rien, ils sont oisifs, ils réalisent même la sécurité des Tshisekedi. Mais puisqu'ils sont forts, puisqu'ils vont conquérir les restes partis de la République, puisqu'ils vont exiger encore d'autres choses, et c'est ce que vous devez savoir, la cohésion dont on vous appelle là, qui vous a pas dit que ça vient, c'est une pression qui vient du M23, qui vous a dit que vous devez avoir une proposition autour de la table. Merci beaucoup, maître Zakari. Merci. J'en parle maintenant. Monsieur Jean-Pierre Kabila, à quoi vont servir ces négociations qui n'ont pas encore commencé comme on attendait, avec des blocages de temps en temps? Maître Zakari, parce qu'il fallait trouver d'autres thèmes, vous, alors? Non, moi je suis très content du thème que vous nous avez proposé, parce que ce pays est en guerre, le pays ne peut pas se cacher du fait qu'il est en guerre. Et parler de ce discours du président de la République aujourd'hui, c'est que c'est un thème de la plus grande importance. Parce que c'est un thème dans lequel il y a la notion de la cohésion. Et cette notion de la cohésion, elle ne vient de nulle. Moi, je ne veux pas répéter ce qu'il dit. Je répète pas tout. Il a dit, tout le monde a déjà entendu. Pourquoi je dois répéter? Mais ce que je constate, ce que je tire de ces paroles, non pas seulement de maître Zakari, mais aussi du ministre Modilla, c'est qu'aujourd'hui, ce qui compte pour eux, c'est l'attitude politicienne, c'est l'arrivée au pouvoir. Et une fois que j'ai dit ça, je réponds même plus à ce ministre.
mais je m'adresse à la population congolaise et surtout à celle des États. Votre pays est en danger. On veut voler une partie importante de l'homme. Il y a des femmes, des enfants de votre pays qui errent dans les bourbrousses, dans les forêts, et ceci est inacceptable. Pour résoudre cette question-là, il n'y a pas 24 fois. D'abord, la cohésion nationale. Nous devons être unis, parce que unis, nous sommes plus forts. Et nous devons défendre notre pays. Et c'est ça qui compte. Et pour faire la liaison avec votre question, je voulais savoir qu'est-ce que nos compatriotes font en campagne. Premièrement, il y a une correction à faire. Au Parlement, ce n'est pas le gouvernement congolais. C'est faux. C'est une représentation de la nation congolaise. Il faut appeler les choses par leur nom. Parce que Badi Bangui, son président. Président de M. L'avocat Kedal. Ami, toute personne ici. Puisque c'est quelqu'un avec qui nous avons débattu ici. Ce n'est pas un kabyliste. J'ai débattu avec Badi Bangui ici. Mais ça reste un compatriote. Et il a prouvé qu'il est patriote. Il n'est pas là-bas pour défendre Kabila. Il est là-bas pour défendre son pays. La représentation qui est là-bas, c'est pas ce qui est là-bas. C'est la représentation de la nation. Mais non, qu'il y a ici à Kinshasa 2, 3, 4, même 1000 personnes qui disent nous, le pays, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est que nous, on soit au pouvoir. C'est le droit. Il peut avoir le droit de mais qu'il y ait autant de blocages jusqu'à aujourd'hui. Nous ne vont pas. Oui. Mais à quoi vont servir. Mais vous pensez vraiment que Badi Bangui a quitté ici pour aller là-bas en disant ça va, d'ici 3 jours, je vais revenir à Kin, aller à Matongé, ça sera terminé. Non. Il sait très bien que ça va durer longtemps parce que c'est la guerre. Cet ami-là, ce compatriote-là, il est en train de faire la guerre là-bas. Président des Akars. Oui. Il est en train de faire la guerre. Il défend son pays là-bas. Et nous ne sommes pas d'accord avec lui, ici à l'interne. Pourquoi il le fait? Parce que lui, il a compris que le pouvoir, l'attitude politicienne, c'est une chose. Que le défendre sa nation, c'en est une autre. Et ça, c'est l'appel que j'adresse. Non pas au ministre Mondidila, qui ont fait la démonstration ici que ce qui compte pour eux, c'est l'attitude politicienne. C'est tout faire pour un jour arriver au pouvoir. Bravo, vous arriverez. Mais priez-moi Dieu que lorsque vous arrivez au pouvoir, ce pays reste entier. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit vous, M. Mondidila, président de la République, ou Jean-Pierre Kambila, président de la République, ça ne changera pas l'idée de Kagame de vouloir prendre le Rutshuru, le Nyiragongo et compagnie. Ça ne changera pas. C'est tout mettre un ennemi décidé à ponctionner une part importante du pays. La seule chose que nous devons faire, vous et nous, c'est de faire comme le fait notre ami et néanmoins adversaire politique Badi Bangui. C'est de savoir, lorsque le moment a sonné, de hiérarchiser les choses, de mettre les choses secondaires en bas pour mettre l'essentiel en avant. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est cette affaire-là. Voilà pourquoi je dis. Lorsque, par le passé, mon ami ici présent, il dit, le M23, c'est une force négative. Et que je répète la même chose à sa suite. Et qu'aujourd'hui, il dit, c'est normal de parler avec eux. Et que je répète la même chose à sa suite. Vous voulez que ça, vous le prenez ça comme une contradiction? Mais je vous l'accorde. C'est une contradiction de dissertation. Mais ce n'est pas une contradiction politique. Ce n'est pas une contradiction politique parce que... Comment ça? Si on pense... C'est ce que je suis en train de faire. Papa. Allez-y. L'homme politique responsable... L'homme d'État responsable, il tient compte de la situation. Mais tout en ayant gardé le cap. Le cap pour nous, c'est que le Congo reste entier. Si je dois me déshabiller pour que le Congo reste entier, parce que c'est mon pays et c'est le bien le plus important. Est-ce que j'aime me mettre nu? Vous me déjà vu nu? Jamais. Sauf que je suis prêt à faire les sacrifices. Que des gens comme ceux du gouvernement, comme ceux de l'opposition qui sont là-bas, comme ceux de la société civile qui sont là-bas, ils ne sont pas là-bas parce qu'ils veulent. Ils sont là-bas parce que c'est un acte de guerre.
Et dans la guerre, on fait des sacrifices. Parfois, à la guerre, hein, on décide, les généraux, vous expliquer ça comment. Il a un groupe de... Il a par exemple, je ne sais pas, 800 quelques personnes, on appelle ça son erreur, une division. Consciemment, il sait que je vais faire cette action-là, mais je vais perdre 300 gamins. Ils vont mourir. OK? Mais il décide de le faire. Il dit, voilà, on y va. Là, je sais qu'il y a 300 gamins qui vont tomber, mais nous allons gagner. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il ne voit ses gamins mourir? Non, merci. C'est un sacrifice. C'est le prix qu'il faut payer pour atteindre un but. Encore, je vous dis, ce qui vous apparaît comme une contradiction, et que j'ai appelé tout à l'heure comme une contradiction de dissertation, c'est ça. Vous voyez, c'est d'avoir la force du sacrifice. La force du général qui dit, je dirige une division qui a 800 gamins. Dans mes gamins ici, je les aime beaucoup, je vis tout le temps avec eux, mais aujourd'hui, je vais en perdre 300. Mais pour ma victoire finale, il faut que je les perde. Si je les perds pas, Jean-Pierre si je les conserve, oui. Je ne vais pas gagner la guerre. Et il le fait. Voilà pourquoi nous sommes à l'enfant. Voilà pourquoi nous sommes à l'enfant. Mais Kampala, ce n'est pas ça la solution. Je vous le dis, nous le savons très bien. Ce n'est pas Kampala qui va décider de ce qui va se faire au Congo. Ce n'est pas ça. Les amis qui sont là-bas, du gouvernement, de l'opposition, de la civile, ils ont une chose dans la tête, c'est de défendre. Ils sont dans la guerre. Ils font la guerre et ils font le sacrifice à l'exemple merci beaucoup, merci, de ce que je viens de vous donner sur le général de division. Voilà, merci beaucoup. Monsieur alors, Moïse Mounidela, ça continue, ça bloque de temps en temps à Kampala, c'est que nous attendions depuis la capitale rwandaise. Jusque-là, ça ne commence pas encore comme il fallait. Et finalement, on s'accuse mutuellement de bloquer la machine. Et qu'est-ce qui peut sortir des Kampala? Monsieur Jean-Pierre Kambila dit que Kampala n'est pas la solution à la crise congolaise. Ce n'est qu'une, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Et avant d'en arriver là, je veux bien tout d'abord revenir à ce que la notion qu'on a évoquée par Claire lorsqu'il parle d'une légitimité parcellaire. Mais moi, je lui envoie la légitimité populaire très chère à Jean-Jacques Rousseau. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que nous parlons. C'est de ça. Nous sommes attachés à cette légitimité-là. Et cette légitimité populaire est incarnée aujourd'hui par une personne. Et c'est Étienne Tshisekedi qui a réussi cette légitimité populaire. Donc il incarne cela. Et il doit exercer le pouvoir au nom de cette légitimité populaire et non parcellaire. Si vous avez votre notion, vous voyez que vous êtes dans une notion, vous essayez un peu de réduire les choses, vous êtes dans une notion réduite. Voilà, mais nous sommes avec le peuple. Ce n'est pas parcellaire, c'est populaire. Et ça vient du peuple. Parce qu'il y a une élection. Et Tshisekedi a gagné pour la main. Et ce n'est pas, de la blague. Ce n'est pas, nous ne sommes pas en train de blaguer. Ce n'est pas une incantation. C'est une vérité. Et nous avons même une démonstration à faire par rapport à ça. Et les jours qui suivent. Mais non, les temps, nous n'avons pas les temps pour le faire. Parce que M. Pascal dira donc, que c'est un vieux débat. Oui. Mais. Il demande de la cohésion. Et lorsque vous parlez de Libanga, donc je ne vous reconnais pas rabaisser les niveaux de débat à ces niveaux-là. Vous voyez que vous prenez à la légère les discours de Céline qui se déclare chef de l'État. Si vous estimez que nous, on attendait les Libanga, ce n'est pas ça. Les Libanga, on sait qu'ils préfèrent les Libanga. Nous, on s'entendait que le président, c'est lui qui est ici dit président aujourd'hui, devait hausser les tons, devait se mettre à la hauteur des événements. Mais malheureusement, pas mis à la hauteur, mais au moins néanmoins je l'ai dit, je l'ai félicité parce qu'il nous a suivis. Nous avons plusieurs fois dit que le président n'a pas cité les Rwandais parce que les amis ont dit c'est contrairement à d'autres combats, mais moi je dis que je l'ai félicité parce qu'il nous a suivis. Oui, c'est là qu'on voit et je dis et félicitations monsieur le président parce que vous nous avez suivis. Et lorsque le conseiller comme il a dit que c'est qui se passe dans ce qui se passe dans le pays. Et il y a un responsable. Donc vous dites que nous, ce qui nous intéresse, c'est les pouvoirs. Vous faites votre analyse, vous dites que nous, ce qui nous intéresse, c'est les pouvoirs, rien que les pouvoirs. Non, ce qui nous intéresse, c'est l'unité du Congo, c'est les Congos. Mais si aujourd'hui, on est en train de jouer avec les Congos, c'est parce que on a, comme président de la République, c'est lui qui ne mérite pas être de ça, qui n'a pas la légitimité populaire. Et ça fait défaut. Et il ne peut pas imposer, il ne peut pas mobiliser la population parce qu'il souffre de ces liens, il a un déficit. Un déficit politique, un déficit populaire, et je ne sais pas comment on peut qualifier ça, en tout cas c'est un déficit. Et tant qu'il n'a pas ça, c'est difficile de mobiliser le peuple. C'est pour ça que nous parlons de la légitimité du pouvoir. Et ce qui
nous agresse. Il ne peut pas être que c'est un président faible. Il n'est pas simplement un président, faut qu'il est soutenu par son peuple. C'est pour ça que nous disons ça. Et vous croyez, un seul instant, si, et parce que vous dites que Kagame continuera toujours à venir, je vous dis non. Non, je vous dis non. J'aimerais bien parce que vous vous êtes adressé au peuple congolais. Et moi aussi, je m'adresse au peuple congolais. Parce que c'est pour ça que nous faisons le débat. Et je dis, peuple congolais, ce qui vous arrive, il y a un responsable. Et ces responsables-là, c'est le Kabila. Avec ses... Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire la destruction ou l'antijet. Ça, c'est de l'antijet. Ce n'est pas bien dans un débat. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas réduit les débats, si vous voulez. Je suis en train de démontrer l'affairisme. Je parlais de l'affairisme. Et il y a un chef qui consent, qui accepte ça. Donc il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Et il est chef des armées, soi-disant. Mais il tolère ça. Monsieur, à qui profite les crimes? À qui profitent les crimes? Kampala. Je crois que Kabila est bénéficiaire de tout ce qui se passe là. Et c'est lui le numéro un de l'armée. Et s'il laisse faire, il sait pourquoi il laisse faire. C'est pour ça que Kampala, oui. Au conseil Kabila, oui. Si vous dites que Kabaga ne peut les faire, non, il ne peut pas les faire. S'il y a un Tshisekedi du président de la République, il ne sait pas. Kampala, monsieur. Par des fois, parce qu'il sait bien que Tshisekedi a l'appui du peuple. Et les déficits, la faiblesse des Kabila, du président Kabila, il n'a pas le peuple. Il n'est pas soutenu par son peuple. C'est ainsi que n'importe qui peut venir jouer dans notre pays comme il veut. Et lorsqu'il dit qu'il n'y aura pas une promenade de santé, je vous dis que si les M23 avaient bien pris Pionnet, Goma et Bukavu, tout ça, ils vont le faire. Et monsieur Franklin, vous me reprocherez à les intelligents qui avaient gagné la guerre, c'est parce que Kagame et Museveni ont dit pour retirer, ils sont retirés. D'ailleurs, vous hésitez d'en parler parce que c'est une honte pour une armée où vous disiez il n'y a pas très longtemps que nous n'allons pas discuter avec le M23. M23, c'est rien. C'est pour cela qu'on revient au M23. L'M23, pour nous, nous décidons que c'est un mal nécessaire. On peut tout dire, Monseigneur Mosengo parlait des convergences parallèles. Moi, je parlais des convergences d'intérêt. Aujourd'hui, l'M23 a son cahier des charges, c'est connu. Mais c'est fait que l'M23 a relayé, continue à relayer notre cahier des charges. Nous disons qu'il faut vider le problème de... Il y a un contentieux électoral. Il y a un problème de... Ça vous arrange? C'est un problème qui... Ça vous arrange? Oui, l'M23, il y a des Congolais, mais c'est oui, mais si. Ils peuvent être des laquais, des Rwandais. Mais un diable, même si c'est le diable, quand il dit c'est 12 heures et vous constatez qu'il est 12 heures, vous devez accepter qu'il est 12 heures. Mais au moins, ils ont relayé notre message. Ils ont dit qu'il y a un problème de légitimité. Et c'est pour ça que je dis que c'est un mal nécessaire aujourd'hui. Donc nous devons discuter avec l'un. Parce que elle ne voulait pas discuter avec l'un. Ça bloque pas là-bas, à Kampala. Ça peut bloquer. Vous savez que c'est vrai qu'il y a des agendas cachés. Mais le problème est qu'il faut qu'il y ait un dialogue sincère. Et ce dialogue sincère, nous sommes capables de l'imposer. Et j'en appelle au bon sens des uns des autres. Nous ne savons pas s'il y a des problèmes dans notre pays. Et il n'y aura pas des gens qui vont descendre du ciel et qui vont résoudre le problème de notre pays. Il n'y a que des Congolais qui peuvent le faire. Ça peut bloquer. Mais s'il y a une volonté d'aller de l'avant, s'il y a une volonté d'éviter les contentieux électoraux, parce qu'il y a un problème, on parle de la cohésion nationale. La cohésion nationale, on remarque que il y a un problème à ce niveau-là de la cohésion nationale. Et la cohésion nationale, on peut l'obtenir que si il y a un dialogue sincère et étrange. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Pascal Rukengwa, qu'est-ce que nous pouvons attendre encore de Chinchilali à Kampala où les négociations bloquent? Ça n'a pas encore commencé, comme on attendait. Vous voulez vraiment... C'est évident, vous allez me permettre moi aussi d'introduire. D'abord, dire, chers amis, la politique, ce n'est pas un rêve. C'est même pas un roman. La politique, c'est la réalité sur le terrain. Le politique regarde. Qu'est-ce qu'il y a sur la table et il fait avec. Deuxième chose que j'allais dire, monsieur le ministre, vous venez de confirmer ce que nous avons dit. Vous êtes tellement accroché à aller au pouvoir. Vous ne voulez rien entendre d'autre. Jusqu'à aimer ces mutins du M23 qui, eux, malins, ont essayé de faire la va-vite. Ils ont inscrit certains points à l'ordre du jour. Et vous dites, nous pouvons aller avec. C'est ça qu'ils voulaient. Vous entrez dans leur jeu. Et effectivement, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent se donner, ils veulent blanchir. Si le blanchissement politique existe, voici donc un processus de blanchissement. Non, je vais vous permettre à vous, pas à vous, à un autre, on acceptera. Vous êtes un homme sur lequel le patricien. Non, ne jouez pas ces jeux. Vous ne pouvez pas partir là-bas. On a besoin de vous. C'est ça leur jeu. Ils veulent ça, ils ont mis ça expressément. Aujourd'hui, ils savent que lorsqu'ils parlent, par exemple, par les docteurs s'étaient touchés à mon cœur quand ils parlaient, par exemple, par les TBR. Oui, les dossiers TBR,
il est troublant, bien sûr, docteur. Il est troublant, bien sûr. Mais il y a des problèmes, je suis d'accord avec vous. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes du chantier BL, justement, qu'il faut régler. Il y a des problèmes de peut-être même d'organisation des élections. C'est vous qui avez dit qu'il y a des problèmes dans le... Oui, c'est vrai, bien. Mais ces problèmes n'entament pas les fondamentaux. Il se fait que nous avons un chef d'État que vous reconnaissez. Le ministre dit, le président. Il dit souvent, je le fais. Il confirme qu'il existe un président. N'est-ce pas? Lui aussi dit, monsieur le président, écoutez-moi. Ce président, on ne le devient quand même pas par une baguette magique. Il est devenu par la voix que vous connaissez, que nous connaissons. Maintenant, le fait qu'il y ait des problèmes, le fait qu'on ait besoin de ce docteur, ne nous empêche pas de régler le problème immédiat de violence de guerre pendant que les gens meurent et d'en faire une priorité. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas régler le problème. Vous, cela ne veut pas dire. Vous dites qu'on va aller sur les docteurs. Vous êtes politique depuis longtemps. Écrivain. C'est là. Hein? C'est un politique depuis longtemps. Je vais prendre un exemple d'un voisin. Vous avez un malfrat qui vous dérange, vous le chassez de chez vous, mais les voisins disent non, 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 écoutez, parlez un peu, vous dites, je ne peux pas parler avec. Mais finalement, vous dites, bon, je ne vais quand même pas faire le difficile, coupons-lui l'herbe sous les pieds, écoutons-le, finissons les arguments. Qu'est-ce qu'il dit le malfrat? Non, nous ne sommes pas en parlant, en fait. Qu'est-ce qu'il dit? Effectivement, moi-même, je ne suis pas d'accord avec ces hommes, vous savez que je ne suis même pas d'accord avec un parent, mais je suis quand même d'accord avec la démarche, le processus de paix. De paix qui consiste à laisser, à finir tout le prétexte de l'adversaire. Alors, qu'est-ce qu'il prétend? Mais écoute, écoutons ce qu'il prétend. C'est là où nous en sommes. Parce que nous écoutons les discours à la nation. Vous vous rendez compte que même le chef de l'État ne met pas tout son poids sur ça. Vous vous rendez compte qu'effectivement, ce n'était pas ma volonté. Alors, moi, je le dis encore, Kampala et le reste. Mais il se fait que dans la vie politique, docteur, la volonté d'un homme ou même d'une classe politique ne peut pas être à tout point de vue respectée. Par moment, vous êtes obligé de retirer votre volonté et d'essayer ce que les autres disent. Ce n'est pas de la contradiction, c'est de la flexibilité politique. Parce que la politique est une chose publique. La République n'appartient à personne. Nous ne pouvons pas dire j'ai dit ceci, donc je ne peux plus jamais dire le reste. Non, nous sommes conscients, moi par exemple, je suis conscient et quand parle. Mais essayons de voir, parce que je ne suis pas seul dans la République, comme vous n'êtes pas seul dans la République, comme Zachary n'est pas seul dans la République. Mais appartenant à une famille politique, je le suis. Pas de contradictions constantes, mais on essaye les solutions des autres en bon demeure. Alors je vais finir en disant ceci. La guerre. Mais aujourd'hui, tout le monde voulait bien cette guerre, tout le monde veut bien la guerre. Tout le monde veut bien laver cette honte, cette humiliation. Tout le monde le veut. Mais la faisabilité de la guerre est une étape importante si vous êtes responsable. Le responsable de la nation doit analyser sereinement. Sinon vous envoyez les gens comme des déchets à canon. Ou sinon vous envoyez les gens comme des déchets à canon. Non, on ne veut pas faire ça. Le consensus va continuer à être recherché. Et puis vous conseillez à vous trois. D'aller discuter, même avec le diable. Je me souviens d'une phrase de Mobutu, il disait, je discuterai jusqu'avec le diable pour préserver l'unité du pays. Pour l'amour du pays, vous l'avez donc reconnu, on accepte de discuter avec des gens avec qui on n'aurait pas pu discuter. Mais merci, je vais vous l'avez compris. Je vais finir en disant ceci. Kampala. Kampala. C'est une façon de les laisser aller jusqu'à bout de leur logique. Qu'on n'est pas seul au monde. Il y a la communauté internationale. Mais la crainte aussi est que, d'après leurs revendications, si ça ne marche pas à Kampala, ils vont continuer de marcher. C'est ça qu'on va voir. C'est ça qu'on va voir. Moi, en écoutant les discours, d'hier, en écoutant les discours d'avant-hier, je me suis dit, la question se prépare. On va voir, oui, c'est clair.
Parce que des jours, on ne pas aussi. Si ça ne marche pas, si comme ça, oui. La situation sur le terrain n'a pas beaucoup changé. Nous sommes conscients qu'on est en guerre. Parce qu'on dit qu'il faut parler en combattant, nous, on est conscients. On regarde bien de la chose. Alors, si eux estiment, vous savez ce qu'ils demandent, ils demandent de gouverner Goma. Ça veut dire un gouvernement dirige Kinshasa et eux, un autre gouvernement dirige Goma. Vous voyez jusqu'où ça peut aller? Ça veut dire simplement que la seule voie, une de voix crédible, va finalement être la seule voie sur laquelle nous sommes. Merci beaucoup. Même si nous ne sommes pas d'accord sur comment le faire. Parce que quelqu'un a dit si on ne peut pas déclarer la guerre. Qui a dit ça? On n'a pas dit ça. Merci. On a dit qu'on ne peut pas nécessairement déclarer la guerre immédiatement. Merci. Hein? Merci beaucoup. Bon, voilà, vous allez tout faire. Donc franchement, docteur, il n'y a pas de contradiction. Il y a simplement flexibilité de démocrate qui refuse d'imposer toujours son point de vue pour aller voir jusqu'où irait le point de vue des autres. Merci. De la flexibilité en politique, c'est quand même qualité, docteur. Pourquoi vous pouvez refuser cette qualité aux dirigeants de la République démocratique du Congo qu'une délégation officielle soit maintenant à Kampala pour discuter avec l'M23, vider un peu ces sacs, les sacs de revendications de M23. Pourquoi cette flexibilité doit-elle faire la part belle à nos agresseurs? C'est ça la question. On discute avec le M23, ce sont de 8 ans qu'on... Mes collègues en face, ces éminents collègues, nos contradicteurs, on ne va jamais... Sortez vos bancs, on ne va pas discuter avec ces assassins. Tout à fait au début. Moi, si on discute avec eux maintenant, c'est de la flexibilité, docteur. Non. Flexible. Non. Pardon. Et quelque part, hein, vous pouvez mentir à une partie, à un groupe de peuple, mentir à un moment. Vous ne pouvez pas mentir à tout un peuple tout le temps. Les Congolais ne sont pas bêtes, ils observent. Nous sommes là, ils disent non, on ne peut pas négocier avec eux parce que ce ne sont que de sous-traitants. C'est des thèmes qui sont sortis. Donc, Pascal, je suis d'accord avec vous quand vous dites Kampala ne donnera rien. Je suis d'accord avec le conscient Kabila quand il dit qu'il ne voit pas ce que ça va donner, mais il faut quand même aller dans la méthode. Et là, nous sommes d'accord. Mais regardez là où ça ne va pas et là où ça crée des problèmes. J'ai entendu quelque chose de très important. Il dit, si je vais vous corriger tout de suite, il dit que vous soyez président, moi je suis président, que moi je sois président, ça ne va pas changer jamais. Visée expansionniste, il va rester le même. C'est un ennemi. Il a utilisé ce terme. Ok. Je pose la question au cinquantenaire. Comment vous avez reçu Kagame ici? C'est vous. Vous avez fait attendre pendant plus d'une heure. Chef d'État. Même le chef d'État. Kagame, c'était le grand ici. Vous l'avez dit. Il y a 2 ans. Le même Kagame, il est resté constant dans tous les débats qu'il y a eu à Addis Abeba, à Kampala, à New York. Il a continué à dire que ce problème ne concerne pas le Rwanda. Monsieur, si je me rappelle, le même Kagame, ennemi, il dit c'est un problème, c'est aux Congolais entre eux. Maintenant que vous, qui disiez que ce sont des forces négatives, on ne discute pas avec eux. Cette flexibilité qui montre que vous êtes en train d'aller dans le sens que c'est que Kagame avait dit au début. Mais là, moi, je dis, le président Kadir, vous, la majorité, vous avez vendu une partie du territoire et que maintenant, le jeu que vous jouez va dans le même sens de la balkanisation, le rôle qu'on vous a confié à jouer pendant un temps. Je vous ai posé la question ici, quel est le degré de sincérité que la population a du fait que aujourd'hui le président Kadir a parlé? Essayez de poser des questions. Je termine par mon ami Christian Badiboy. Moi, je peux poser la question. Qu'est-ce qu'il est allé faire là? On réévalue les accords du 23 mars 2009. Comment ça se passe? Christian trimait avec nous. Christian critiquait. Maintenant, ceux qui ont signé, c'est-à-dire, ce n'est même pas le gouvernement. Les personnes qui sont allées représenter le gouvernement,
signé par les Mouchi Banda au nom du président Kabila et le CNDP. Quelle est la part des chrétiens? Ce n'est pas une affaire nationale. Ce n'est pas une affaire qu'on a discutée au niveau du Parlement pour dire que maintenant les institutions s'approprient de l'accord. Vous avez mis le CNDP dans votre famille politique. Qu'est-ce que Christian est arrivé là? Moi, j'attends que Christian vienne, parce que pour l'avoir vu avec moi ici débattant de la même manière, nous nous sommes intégrés sur la route. Les gens vous disent, mais ton ami Badibandi, qu'est-ce qu'il est allé foutre là? Qu'est-ce qu'il cherche là-bas? L'opposition politique, est-ce qu'elle a une place là-bas? Mais il est parti. Il n'est pas resté là-bas. Et il pose le problème comme un tout en disant le problème du Congo. Il faudra que l'opposition politique soit là, que la société civile soit là. Le mal, c'est pas ce qui va se faire à Kampala. La solution ne viendra pas de Kampala. Et là, nous sommes d'accord, nous tous. La solution viendra quand nous allons nous mettre autour d'une table. Nous allons toucher à cette légitimité qui vous irrite. Nous allons toucher aux arrestations arbitraires qui vous irrite. Nous allons toucher aux assassinats dont vous courez certains acteurs. C'est en ce moment-là qu'on va faire la paix entre nous et le Congo sera. Monsieur François Malane, pensez-vous qu'il est temps de faire la paix en discutant avec tout le monde sincèrement autour d'une table au lieu de perdre le temps? Mais j'ai béni mes amis qui semblent être en marge du processus de construction de la paix. Je leur ai dit au nom de Jésus, restez la paix encore une fois. Soyez en paix avec vous-même et avec le pays. C'est ça. Mais vous avez suivi, lorsque le chef de l'État a fini de recevoir l'opposition, c'est que les rapporteurs de l'opposition ont rapporté à l'opinion. Qu'est-ce qu'ils... Voici leurs propos. Nous avons parlé avec le chef de l'État et nos échanges se sont passés en toute responsabilité. Ceux qui parlent là, c'est parmi les meilleurs enfants de ce pays. Les meilleures filles et les meilleurs garçons que nous avons dans ce pays et qui siègent là-bas, quand ils ont rendu ça, j'ai frémi et j'ai senti que le dégel était au rendez-vous. Vous vouliez savoir l'impact. C'est le dégel qui a commencé et qui doit être entretenu. Bon, malgré quelques réticences que je note encore de la part de certains amis qui disent non, nous voulons voir est-ce qu'il y a la sincérité, mais est-ce qu'il y a quand même l'amorce du dégel? Alors, on nous dit, nous vous parlez avec eux, mais les Américains parlent avec les talibans. Casarema.fr présente le groupe musical chrétien Royaume Éternel dans Adorons le Grand Roi. Un support DVD avec une plaide de chansons mythiques telles Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez-vous, peuple de Dieu. Disponible chez tous les bons disquaires de la place. DVD Oyobozela qui Pona, ba papa, ba maman, Bana, Mpeli, Bota, Mobima, Yangoyo, Ngonge, Beti. Adorons l'Éternel, adorons le grand roi. Avec Kazarema, à consommer sans modération. Adorons le grand roi, sur support DVD, s'il vous plaît. Avec une plaide des chansons mythiques telles que Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez-vous, peuple de Dieu. Bénis les mariages. Ba papa pe ba mama pona bana peli bota mobimba pe na ba fête nyonso bolingaka album ya kitoko yangoyo ba image pour tous. Élevez-vous, peuple de Dieu, adorons les grands rois en support DVD. Achetez l'original. Adorons les grands rois en support DVD. Achetez l'original. Parce que lobby est ça, t'as là le frère Marius Numbuma Zongi de Soussoué par la vie. Bien aimé, bon dit ma boy en bas, album Oyo, tu es capable. Nangolo en Zambé, album Oyo, pour décoser la mingi à Paris,
en Belgique, en Hollande, en Angleterre, partout en Europe. Voici l'album Dieu est capable. Batumi balé bazobé la maladie moko, basan à l'hôpital moko, médecin moko zo traité ba moyon somi balé, mais moko a koufi moko a biki, et ça kango. Nengi na lobby boye ba kien na lobby, ya moto moto, a évité toye ba limité matin bala, oyo bana na nzambé, nyon soya moukili mo, mana ebiki bozo londana na www.kazarema.fr. Bala oto lobby, zambaza roulage. Promotion à Paris chez Capem. Promotion pour les fêtes. Capem, Mukondi Abagence. Capem, agence Yabananzam. Promotion chez Capem. Kozanga Tendeko. Yakambango na Capem. Otinda Biloko na yo. Du nouveau chez Capem Multimo à Paris. Promotion, promotion. Vous avez des marchandises que vous souhaitez envoyer à Kinshasa, en RDC Congo et partout en République démocratique du Congo. Venez chez Capem Multimo à Paris. Promotion, promotion, promotion. On fait un bon zali. Oh, pour un monde de Kin, rapide, rapide, tout le monde, bon, nous, tout le monde, car on a Capem. Donc, vous voyez, il y a 9h pour 10h pile. 10h pile, 10h 2 minutes, bienvenue dans le Kingo, c'est bon. Ah, ouais, tout à fait, on va aller. Ne manquez pas, ne tardez pas, venez chez Capem, envoyez vos produits. Promotion pour les fêtes. Contact 01 46 06 69 26 ou 06 16 35 41 91 mail capemparis-du-6 multimo@hotmail.fr. Eh hey, Banamboka, Doctrade Conseil, c'est la solution. Osa Congolais, ah, osa chanceux. Doctrade Conseil est la solution pour tous les problèmes qui vous tourmentent. Osa étudiants congolais, Doctrade Conseil est là, il paye votre caution. Osa interdit bancaire, Doctrade Conseil lève l'interdiction bancaire. Osa locataire, Olingi Okoma propriétaire, Doctrade Conseil est la solution pour vous, pour devenir propriétaire. En tout cas, naïvement, Makambouya Boy. Na kotika kanakatia Doctrade Conseil. Eh! Doctrade Conseil est là pour tous les Congolais qui ont des permis du Congo. Il vous assure. En tout cas, assurance à Boué. Il n'y en a jamais eu ailleurs. Number one, toujours la théologie number one. Congo number one, c'est vraiment number one. Congo number one, c'est un, c'est pas deux, c'est un. Congo number one, never say never because you don't know and you don't have no idea. Ba félicitations et belé quand à Congo number one. Number one, tant que number one, tout est beauté, number two, number one. C'est ça, président Kaboy. Nous allons rabouiller quoi? Nous allons rabouiller presse en boca. Il va n'a pas number one, mais internet beaucoup de bobit à mon number one. Tina Tuni, t'es number one. Tout le monde a number one à Tuni. Ils allaient à Congo number one. Congo number one, Walobi, combo la prophétie. Vous allez avoir number one.